lorsqu'on a récupéré un Hippolyte un peu étrange de surcroît, lorsqu'on a aussi fait notre petite balade en gyrophare au milieu des mannequins, c'était un peu étrange, très bizarre, un peu comme nos mercredis soirs. En revanche, la suite, c'est dans l'ascenseur et avec une lampe. C'est tout de suite. Bien. Allez, Hippolyte. Ok. Da, da, da. Oh. Ouais, c'est ça, Hippolyte. Allez, Hippolyte. Est-ce que c'est très rassurant? Ok. 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 Attends, c'est un... Ok. C'est très bien, parfait. Ouais, excellent. Ah, super. Oh. Les frissons, alors qu'il se passe rien. Au contraire, il s'en passe des choses. Qui a rangé ses jambes ici? Ok, ok, très bien. Top à la panne. Arrêtez de... Qu'est-ce que tu fais avec ta lampe? Et ouais. Et Hippolyte. 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 Ok. Fais un truc. Voilà. Mode gyrophare. Viens, Hippolyte, viens. Zen, plus de zen, s'il vous plaît. C'est petit, hein. Petit art. Vu le temps qu'il faut pour ouvrir, c'est pas possible. En fait, j'y suis allé surtout comme un bourrin. C'est, j'y suis allé. Ok, oh non. C'est surtout comme ça que ça marchait. La plus zen qui carry. Ok. Allez, viens, Hippolyte, tout de même. À quoi bon la finesse? Je te le fais pas dire.
pas méga feng shui, hein. Ok. Spider bizarre, il s'est marché au plafond. Hippolyte qui va à droite et qui fait dérapage contrôlé. Ok, t'es sûr? Oh. T'en sais rien. Peut-être qu'il peut devenir un beau papillon. Faut pas sous-estimer les... Comment... Oh. Qu'est-ce que je prends pour lancer là-bas? Il va falloir que je lance un truc là à droite. Contre le bouton pour ouvrir. Ok. Ok. Donc faut prendre... Oh là là. Il fallait que j'aille par là. Ok. Merci Tim.
J'ai laissé... J'ai laissé la tête de singe là-bas. Où est-ce que j'ai mis la tête de singe? Oh! Est-ce que je l'ai dans les mains? Je l'ai. Tête de singe, ok. Je vais attendre qu'il parte à gauche. Allez mon gars. Allez mon gars. Non, pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu... Non, je vais mourir. Est-ce que je pourrais refermer le... Ça va, est-ce que je vais flipper? Je ne crois pas. Un peu comme le machin dans Tomb Raider. Tu veux ça parce que j'ai fait un cosplay de Lara Croft? Je veux bien que vous me disiez s'il y a des chapeaux dans le coin que j'ai failli louper. Pour pas les louper. Ça, je veux bien que... Ça, j'ai pas de soucis pour le backseat du chapeau, mais pour le reste... Larry Craft. Parce que ça scratch, c'est pour ça. Two sticks. Oh non, non, non. Ok. Il va revenir. Il y a de l'eau. Ouais, pas de soucis, n'hésite pas. Je vais retoucher de moi. Eh, psst, Hippolyte, tu veux venir dans mon coffre à cadavre? Allez. Non, je déconne en fait. Eh oh! Viens m'aider. Ok. Merci Prisma, très grand massata. Oh non, là y'a rien. Ok. Faut une clé. Ok, pour changer. Est-ce qu'il y a des endroits où on n'a pas ouvert? Non. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Oh, ça fait je suis plus quick.
Attends qu'il y a une porte là-bas, hein. Bah oui, il y a une porte derrière. Pourquoi je m'embête là? Ou à moins que je puisse pousser là. Non. Ou peut-être tirer ça. Non, je peux pas. Ah, ah si. Ah. Ok, à toi de jouer. Chou-chou dans la morgue, excellent. Chou-chou dans la morgue, un film de Night Shyamalan. Et ok. Bien. Oh. Comment je fais pour atteindre cette hauteur? Donc je présume. Déjà il faudrait que... Oh non, mais déjà il faudrait que mon pote arrive. Je peux pas pousser ça. Non. Le saut de gerbe, non. La planche, cadavre, oui. Peut-être en sautant là. Donc, peut-être en allant sur la table. Voilà, c'est ça. On va sur ce corps. Bonsoir, Minko. Soir. On va se prendre là une fois le... Ok. Normalement il va se rouvrir ou quoi. On va jeter ça parce qu'on est des vandales. Ça casse pas, hein. Je suis un peu déçu. Ok. Aïe. On va le refaire. Ok. Voilà. Voilà, mieux. Beaucoup mieux. Tada. Yallo. Très bien. Allez. Ouais, si vous savez où est-ce qu'il y a un chapal, n'hésitez pas à m'en toucher de mots. Ok. Oui, un chapal d'échappée. C'est juste un petit. Ok, un autre endroit où c'est dégueulasse. Pour arriver en haut à droite, j'ai l'impression que c'est aussi un côté Lemmings. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la serrure, ok. Qui a priori ne sert à rien. Pour escalader, il faut aller en haut. Ok, très bien. Oh! Il y avait de l'eau. Hippolyte aussi. Très bien. Génial, Hippolyte. Super. Y'a de l'eau. Ok. Oh, attendez. C'est pas une tentative de chapal, là? Non, j'ai cru.
Quelle négation? Ah ouais. Je le fais pas dire. Ok. J'ai une super idée. Franchement, les règles sanitaires sont respectées. Que peut-on dire ? Gros respect des règles sanitaires. À 2-3 détails près, mais... Les gestes barrières. Tip top, hein. Hey ho ! Oh. On rentre du boulot. Tu l'as pas chopé lui, il avait plus de jaune hein, sur lui. Ok. Ok, il le pose là-bas. Faut que j'aille là-bas. Faut que... aller à gauche, il n'y a rien. Il n'y a pas un chapeau hein, à gauche. Tu vois. Avec une courte échelle peut-être. Peut-être qu'il est un peu chaud. C'est le peu de temps imparti. Oh non. Hippolyte. Tranquille. Pa para 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 pa 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 para para. OK. Est-ce que je peux prendre la table? Est-ce qu'on peut aller sur la table? Peut-être aller à gauche en fait. Peut-être pas tout de suite. La batterie. Ah ici. La courte échelle. Allez, dépêche, dépêche. Oui. Ok. 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 Faut continuer à se reposer.
believe I can fly. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. J'espère qu'il est pas en train de lui faire un bouche à bouche. Monte ! Monte ! Ok. Ok. Non, 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 tu vas pas me refaire le coup. Non, la... Nom de Zeus, Marty. La première fois, il faut pas y aller. La deuxième fois, il faut y aller. Aïe, je m'ai tombé la tête. Ah, je me cognais. L'arcade sourcilière. Je crois que j'ai un petit souci de ménisque. Frontal. 1, 2, 3. Et cours! Cours! Voilà. Merci beaucoup. Un très grand merci à SI. Merci infiniment. Bienvenue à toi. Ok. Ah, go. Et pourquoi tu cours plus vite que moi? Ok. Ok. Good. Ben moi qui le mette, c'est très gentil. C'est... Hippolyte, tu restes ici, moi j'y vais. Hippolyte, tu restes ici. Oh. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là. Ah non, zut, croise. Non. Bien sûr. Aïe. Gros souci d'arcade sourcilière en ce moment. Mon gars. Hey, Thomas. Allez. Trop court. Carrément trop court. First try. Faut glisser, j'ai l'impression. C'est ce que fait mon arcade auxiliaire en ce moment. Merci, Knight.
Ok. Ok, ok, ok. Allez, allez. Easy. J'ai dit easy, hein. C'est ça, hein. Allez, allez. Go! Pourquoi tu m'as bloqué? Ok. 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 Ah, oui. Non. Ok, go. Go, 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 go. Hippolyte, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me judas. Hippolyte. Hippolyte. Je fais Hippolyte. Excellente idée, j'ai l'impression. Grave. Vous savez que ça va sentir un peu le sucre. Du savon. J'ai déjà essayé avec un... Vous croyez qu'à partir de combien de temps c'est... minute à feu doux. Vous croyez qu'à partir... Enfin... Vous croyez qu'il faut... La cuisson elle est ok pour combien de temps, croyez. On peut finir la peinture du dragon pendant ce temps-là. Hmm? Deezer? Ouais, alors aurait dû prendre sa ref, LBHP. Allez. Il se réchauffe les mains. Vous avez remarqué qu'il est en mode... Oh. Ouais, ça va être que je change de chapeau. Franchement, on va les emmener. Cri de souffrance. Horrible. Horrible. Peut-être que ça reste. Et il va quand même là pour dire oh non, j'étais bien là-bas quand même. Oh. Ok. On va prendre 2 secondes pour admirer quand même. Car il s'envole vers le soleil. C'est bon, hein, il s'admire là, je... Hein. C'est... Maman, elle avait qu'un seul instinct de survie lorsqu'elle a eu ses gosses. Spoiler. Dans la distribution des caracs. Ah, voilà. Merci Gwen. Merci.
silencieux. C'est ambigu. Très bien. Merci beaucoup. GG. Mon chapeau fait peur ? Mon chapeau fait vraiment peur. Arrête, c'est trop mignon. Il est trop mignon. Oh non. Merci beaucoup, quoi. Je vais louper un chapeau là. Viens là, ne... je t'abandonne pas. Même le son il change selon si tu es sous l'abri ou quoi. C'est incroyable. Incroyable. Complètement, c'est une leçon de game design et de mise en scène.
Oui, le sound design. C'est pas courant ce genre de pluie. Parce que ce que vous voyez pas, trop à droite, mais ça fait depuis des années qu'on le dit. En fait, ce que vous ne voyez pas là, c'est que ouais, il y a un... On ne peut pas sauter tant qu'on n'est pas en haut. Et que si je mets à droite, hein, tant qu'on n'est pas tout en haut, ça compte pas. Alors que moi, là par exemple, je voulais sauter, ça ne marche pas en fait. Tu tombes juste un peu à droite. Et en plus, t'as un effet de glissade. Ça glisse un peu en fait ici. L'effet très bien rendu. Donc il faut aller absolument en haut. Voilà. Et t'arrives. Quand tu sautes, donc quand tu braques à droite, eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu vas vers la pointe du toit. Donc, ça complexifie un truc qui n'a pas à l'être. Ok. Le premier thème, le thème du premier Little Nightmare, c'était la gourmandise. De marquer. Tu es calme, Maya. Tu es très calme. Tu es concentré. En un mot. Tu n'as pas envie de tuer Hippolyte. Pas tout de suite. Merci, Ronald. Et le temps que je dise merci, Ronald, du coup, je n'ai pas fait attention à la sortie. Du coup, je vais devoir redescendre avant de faire remonter. Julien. La solution. Ah, le truc, c'est que. Je veux sauter au bord de l'ascenseur quand il descend, mon gars. Ok. Exactement. L'inertie est complètement différente selon si elle monte ou si elle descend la force de l'ascenseur. Si l'ascenseur monte, c'est beaucoup plus pratique. Si... Ok. Ça, c'est descendu. Regardez, je vais faire le truc normal. Hop là! Incroyable! Est-ce que c'est incroyable ou pas? Chose incroyable. Est-ce qu'il y a un chapeau là? C'est beau. Ah, peut-être derrière. Ah non, il y a un petit bonhomme. Que faire?
C'était celui qu'on a vu à travers le toit. Hippolyte. Ok. Ok. On y est. C'est fou comment j'aime lui tenir la main comme ça avec l'ambiance que ça génère, le côté un peu désespéré, mélancolique. Je sais pas, le côté fraternel. Je trouve ça assez assez cool. Je trouve ça super beau quoi. Ouais, le plan, la DA. Allez, viens. Viens. Ok. Ok, très bien. Courte échelle. Allez, Pelle. Allez. Oh. Je vais t'offrir un monde. Splendeur. Longue vie. Oh, wow. Douleur, Mylène, douleur. Ok. Pour ta échelle. Yes. Ok, ok. Ok. Viens, Hippolyte. Ok. Donc là je... Ok. Une fenêtre qui est ok. Dans l'eau. Non. Je ne dis pas que non. Voilà, c'était la box. Je tiens le chapeau, il m'entend pas quand je le siffle. Hein. Voilà. Voilà. Parce qu'il y avait une sorte de question de résonance.
tout est incroyable. Wow, 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 wow. Ouais. Si on se dépêche, c'est mieux. Si on se dépêche, c'est mieux. Dr. Jones. Il n'y a pas de l'eau. Non. Hippolyte. Vous savez ce qui va se passer. Un canard. Plus lampe. Ok. Lâche pas ma main, Hippolyte. Suis-je ?
réponse à cette porte. Au fur et à mesure, je me rapproche de plus en plus près. Non. Nom de Zeus. Non. Touche pas, Hippolyte. Hippolyte ! Non ? Oh non. Non. Ouais, tout à fait. Là, on arrive dans de l'agressif, là. On arrive dans le dans la partie agressive du lore. Pas de lampe. Peut-être passage ici. Des vêtements vides encore. Peut-être grimper grâce au tiroir. Voilà. Non ? Regarde. Ok. C'est pas super agressif jusqu'à maintenant. Non. Peut-être remonter par ici. Ok, pour remonter, il faut peut-être aller par là, sauter à droite. Ou à gauche. Donc à gauche, non. Ok. Voilà.
là pour s'agripper peut-être. Non, pas à droite. Ok, les reculs, c'est ok. Ok, fallait. La perspective est super chelou. La perspective est hyper méga chelou. Ok. La choquer. C'est rien. Ah, c'était stupide. C'était stupide et évident. Donc forcément. Est-ce que ça veut dire que qu'on utilise donc les portes pour se TP et que je vais emprunter tout un réseau de télé pour voyager? Voilà, ça a tout l'air. Et cette fois-ci, je vais bouger la télé, je vais repartir à droite, je vais emprunter la porte qui est à gauche et je vais repasser par la télé. Où es-tu? Ouais, les méfaits de la 5G. Opa! C'est incroyable. C'est tellement envoûtant et en même temps tellement désespéré. Ouais, on va s'accrocher sur ce hameçon. Il n'y a pas de l'eau. Pas d'eau. On va plus se balancer. Ok. Je sais pas qui place ces planches, hein. Là, il y avait de l'eau. Télécommande, télé. La télécommande remplace la lampe. Mais le mug ne se casse toujours pas. Chapeau là? Non, pas l'impression.
pour me re-TP de l'autre côté. Il y a peut-être un truc à activer ici. Avant de repasser par la télé. À droite. Incroyable. Avance! Et ralentit. Alors ça c'est ok, il y a peut-être quelque chose ici à voir. Il y a des enveloppes de partout là. Oh non. Chapeau de policier pour aller enquêter. Policier, postman, c'est la même chose. Besoin d'envoyer un courrier recommandé? Pas de problème. Je vais adresser à la bonne personne. Faut juste que je trouve comment. Oh, ok. C'est chapeau. Hein? Oh, attends, c'est là. Y'a rien. Ok. Au manga. Re-TP. Et re-TP pour aller où? Ok. Et livraison express. Fallait pas tomber. Oh, ok, il me semblait. Ah, fallait sauter et s'agripper sur le bord de la poignée de porte. C'est ce dont j'ai l'impression, hein. Le saut. Ici le saut. Ok. Mais il y a un effet visuel trop chelou. Ah non, attendez. Voilà. C'est pas la poignée de porte. Mais notre poignée de porte. Il faut avoir accès à l'autre côté. Voilà. Tout est malin dans ce jeu, sauf certaines perspectives un peu cheloues. Vraiment, faut l'avouer, hein. Faut le reconnaître. Il y a 2-3 perspectives qui sont un peu cheloues. Mais... C'est pratique si elle ferait ça. Merci Sipsip, hein. Merci beaucoup. Très très merci à toi. Hola, olé. Voilà. On a enquêté. Il n'y a pas d'eau. Ok. Dis-moi que le plateau de fromage a été déplacé. Voilà, très bien. Ah, mais la tyrolienne cintrée là. Mais bien sûr. Épicaillé, pauvre nourrie. Une chaussure et je saurais m'en servir. Quoi, dis donc. Ah, si j'éteins, elle va venir vers moi.
pas très discret, manière. Alors, certains seraient pas contre. Hein. Faut pas que j'utilise ma télécommande là. FBI, en panap. Ok, une caisse, une échelle, donc c'est à droite. Alors, est-ce que faut éteindre? Vous savez quoi? Je le sens. Genre, faut éteindre et faut se cacher. Je le sens. Je le sens grave. Non! Aïe. On va se cacher dans le four. Non, pas le four. Après, il y a l'autre solution. Continue à fouiller ici. Hein? Va ouvrir la fenêtre, s'il te plaît. Aïe! Ok. Bon, on est sûr que c'est... qu'il faut se cacher. En passant par là. On est trop pour elle. Là, on est trop pour elle. Ok. On peut pas avoir accès à la fenêtre là. Ah, la télé pour ce TP.
Ah, ça veut dire retourne en arrière. C'est pas dit. Bon. La suite est là. Hein. Ah, attendez. Ah, mais oui, mais bien sûr. Allumer sa télé. Pour se TP, en effet. Monter là. Ou juste. Voilà. Ou... Ok. Faut pas trop s'approcher. Hmm. Ah, si! On allume la télé à droite. On éteint la télé à gauche. Elle est obnubilée par la télé à droite. Elle ouvre la fenêtre. Pour voir la télé à droite. Pas de backseat, hein, attention. Elle va être obligée d'aller vers la télé droite. On va... Bon, elle va pas ouvrir la fenêtre. En revanche, on va utiliser cette télé-là pour se téléporter. Ouais, mais oui. Tout à fait, on fait ça ensemble, Jean-Jarvis. Stylé, très stylé. J'aime bien les petites... J'aime bien les petits coups de sang, les petits coups de flip. Il y a 2-3 énigmes. J'étais très très fan de Soul Reaver à un moment. Et Soul Reaver, c'était vraiment perché. Comme énigme parfois. Tu avais un mélange d'éléments à utiliser. Ok, là ça va être un peu complexe. Du coup... Ces plans de rue sont incroyables. Wow. Pêche-toi. On en sait plus. Pas violent. Wow, 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 wow. Oh non. Oh.
Il y avait de l'eau. Oh, vous avez remarqué sur la table basse là ? Il y a un cendrier encore allumé. Ok, quand il va y avoir la projection, il va falloir s'agripper au bord de la fenêtre ou un truc dans ce bout-là. Ou alors, faut pousser la télé. Allumé ici, STP en bas. Ok. Une manivelle là, mais... Oh, j'ai pas envie de faire ça. Pas de lumière. J'ai pas vu le démon en aide. Ok. Je t'aide à venir. Et après, je cours, mon gars! Ah d'accord, oui. Absolument. Et ça, c'est la puissance du game design, franchement. C'est de se dire que le truc, il est géré. Tout est induit. Et tout semble naturel. Et mon seul obstacle a été un ou deux soucis de collision, ou peut-être un élément de gestion de saut, mais pas du tout la progression. Bon, je pense pas qu'il y ait de l'eau en dessous, hein. Ok, alors là, pour grimper ou pour attirer quelqu'un, je ne sais pas. Oh, il y a un œil. Alors techniquement, si ça c'est condamné, je ne peux pas avoir accès à ça. C'est trop bas. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Ah non, c'est bon. Faut prendre ça pour aller vers la manivelle. Faut aller tirer ça, par là-bas.
faut amener ça vers la poignée. Faut l'escalader. Faut escalader la télé peut-être. Pour déclencher la... l'ascenseur. C'est très étrange comme sensation. Le fait de voir que sans Hippolyte, le jeu paraît d'un seul coup entièrement vide. C'est incroyable comme sensation. Ok. Attends, ça s'est fermé. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut redescendre de là sans mourir ? La réponse est oui. C'est quoi? Il y a un doudou là? Bon, il y a une malle. Est-ce que la malle peut être tirée? Oh! Ok. Non, pas ça. Attendez, je crains quand même. On va rappeler l'ascenseur. Hein? Parce que c'est un coup de devoir le rappeler si la porte s'ouvre ou s'il y a un truc. Hein? On le sent, hein, le truc en train d'arriver. On fait coucou avec ça. On le glisse ici. Oh, ça fait grave plaisir. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce glitch? Qu'est-ce que c'est ce glitch? Qu'est-ce que c'est que ce... La réponse est claire. Ok. Je réfléchis. Est-ce que il faudrait pas que j'active la poignée de l'ascenseur, que je me téléporte à l'étage, que j'aille sur le toit de l'ascenseur pendant qu'il monte?
c'est super malin parce que... Parce qu'il n'y a pas de répétition en fait. L'étage intermédiaire. Ah, l'étage intermédiaire. C'est-à-dire que la mécanique a été introduite, pour paraphraser qui est vraiment une forme de démonstration en effet. Eh bien, ça se répète pas. T'as pas de mécanique qui se répète. T'as un développement où tu as des versions alternatives. Là, avec l'étage intermédiaire. Et c'est un truc genre... C'est super malin. C'est super malin. C'est une vraie leçon. Descends. Descends pas. Hein. Ok, je crois que je saute pas. Le timing est plus serré qu'on imagine. Ah, peut-être que ça marche dans l'autre sens. Peut-être que c'est dans l'autre sens, en descendant qu'il faut peut-être. Je pense que c'est en descendant. En descendant, il y a plus de timing, j'ai l'impression. On n'a pas le temps en montant. Alors qu'en descendant, il y a moins de hauteur, donc il y a moins de... Il y a moins de temps où on se remet des rotules, en fait. Ok. Voilà. Un canard. Ok. Ah, ok. Les voisins qui doivent en avoir marre de cette télé, non, de cet ascenseur. Je crois pas, non, je pense que je pense que les voisins sont trop occupés à voir la télé plutôt. Je peux pas le saisir, le canard. J'ai très envie de faire coin-coin, pourtant. Ok. Pourquoi je suis en train de me poser de terribles questions en voyant ça sur le rebord? Et à Shoryuken! Merci Kryptonien, merci beaucoup. Très grand merci à ta Kryptonien. Alors comment fait-on? La poignée est trop haute. Faut que je débranche le câble ici. Non, il faut pas que je m'approche trop près.
Je peux pas saisir le lavabo. Je peux pas retourner en arrière. Si je m'approche trop près, je meurs. Il faut que je trouve un endroit bien en hauteur. On va tenter quand même. Hein. Est-ce qu'on est prêt? Ok. Je crois qu'on a débranché mamie. Coup de foudre. Tout est tellement fluide, c'est tellement agréable. D'avoir... En fait, cette sensation est incroyable de progresser significativement. Ok. Ça a l'air bien ce qu'il regarde. Hein. Si vous avez une idée sur un chapal, n'hésitez pas. Tiens, un chapal qui traîne quelque part. Hein. Un caddie. Un simulateur. Je l'ai. Je l'ai. Ça y est, je l'ai. Mais oui. Carrefour 2033, pas d'OPSP, merci. Ok. À gauche, un chapeau. En bas à gauche, un chapeau. J'ai pas l'impression, hein. Téléportation. J'ai envie de faire ding dong. Ok. Ouais, ça va être sec. Hein. Ok, qu'est-ce que nous avons là? Est-ce que nous avons... J'ai l'impression qu'on a une clé, non? Allez, va-t'en! Sors de là! Est-ce qu'on peut avoir un four, s'il vous plaît? C'est pour le travail.
Ok, on va passer par là, on va ouvrir. Ah, j'ai l'impression que je me suis TP. Ok. Donc là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Du coup, on va prendre le chariot, je présume, et l'amener plus loin. Pour... Allez, mon gars. Allez. Et on va l'utiliser comme intermédiaire. Ici, pour sauter là-bas. Ça a l'air d'être le cas. Pas mal, ça. Attention, le petit saut de la foi, seul le pénitent. Ok. Pénitent. Oh non, il y a un canard. J'ai... C'est pas moi qui l'ai poussé. C'est pas moi qui l'ai poussé, je jure. Je jure. Ah, plus d'électricité. Je jure, c'est pas moi, c'est sûr. Ceux qui jurent, c'est les pires. Jure-le. Ok. On n'a pas de batterie. Et comment je me fais pour me TP de l'autre côté? Ah, ça a l'air d'être... Regardez, la poignée est remontée. Donc ça veut dire qu'on doit réactiver l'électricité. Et pour aller là-bas... Est-ce qu'il y a une télé ici dans le coin? Non, il n'y a pas de télé là dans le coin. Est-ce que je peux prendre cette chaise? Non, je peux pas passer par la fenêtre. Parce que idéalement, il faudrait se téléporter vers la télé. Ah, il y a une télé à gauche là, non? On monte ici. On retourne au départ. Là, est-ce qu'il y a une télé? Non, il n'y a pas de télé, il y a les gourgandins. Là, il n'y a pas la télé. Là, il y a la télé ici. Je saute à droite. Je vais vers la télé. Voilà, c'est ça. Je saute à droite. Je vais sur la télé. Et je me TP. Et je vois où est-ce que ça nous mène. Ok. Ok. Voilà. Le vêtu. C'est soit j'ouvre là, soit je passe par les barreaux de la porte. Fenêtre. Tyrolienne, pas tyrolienne. C'est ce qu'il voyait depuis tout à l'heure. On est de l'autre côté en fait. On a fait le tour. On a fait tout le tour. Faut pas s'approcher trop près. Aïe, il y a de l'eau. Il y a un chapeau, c'est un chapeau ça, non? Sur la cabine téléphonique. Déjà, ils mettent des cabines téléphoniques dans le jeu. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Déjà. Falloir serrer les fesses. Tu crois que je fais quoi, mon gars, hein? Alors, voyons voir. Réfléchissons. Où peut-on se cacher? Parce que là, techniquement, c'est mort, hein. Se cacher, voilà, c'est pif pif, hein. On éteint la télé. Les gens s'énervent. Est-ce qu'on peut escalader ici? Par la droite. Est-ce qu'on peut se cacher en dessous? Oh, il y a des mains là-dedans. Excellent. Super. J'ai même superbement excellent. Pas que je m'approche trop près. Ah, attendez. Si, je sais. Je vais éteindre. Je vais courir vers l'autre télé. Et ils vont faire le tour. Ils vont, au dernier moment, bifurquer. Et regardez cette télé. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Oh là ! Pas content, pas content. C'est pas moi qui... Regardez cette télé, regardez. Oh, pas les chaussures. Oh, allume-toi, allume-toi. Pourquoi ils sont pas hypnotisés? Et je retourne au début avec ça. Hein? Hein? Ça va bien se passer? Est-ce qu'on a stressé? La réponse est non, bien sûr. Prends-le, prends-le. Box dégueulasse, c'était mort. Un peu comme moi. Oh.
viens là, viens là, viens là. Lâche. Toi, je prends la hache avec moi. Non, je prends pas la hache avec. Là, vous le voyez pas, mais la... Vous le sentez pas, mais la maniabilité est beaucoup plus lente, beaucoup plus lourde. Gros bisous, Kwan. Y a de l'eau. Incroyable. Un peu comme mes miches. Ok. Ta-da-ta. Ok, je vois que monsieur a un passe droit. Non merci, non merci, non merci, non merci. Ce ne serait pas un peu de la triche, monsieur? J'ai cru. J'ai des sièges blocs, excellent. J'ai fait là! Qui est pas grand chose. Citation de peau.
connais cet endroit. Merci, Metal. Pour Fornet. Merci. Ah non, ça ressemblait. Il est incroyable. Qu'est-ce que tu as fait, Hippolyte ? Qu'est-ce que tu as fait de mon ami ? Ça suit exactement la même mécanique que les que face à la télé. Incroyable. Il faut suivre les mouvements de la main et en même temps, il faut insister sur le mouvement. Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait de mon ami ? Rends-le-moi. Rends-le-moi. Je te prends tout ce que tu as de plus cher.
On m'a enlevé tous mes chapeaux. Incroyable, je suis mais hypnotisé par le truc. Oui, c'est ça, c'est la musique. Bien sûr qu'il faut suivre la musique. La musique est à gauche, il faut aller à gauche. Ok. Ça me paraissait moins évident que ça. Avec la gestion en spatialisé, quoi. Idée incroyable. C'est de la folie. Avec le violet de la créativité, là. Incroyable. Des couleurs, ouais. Peut-être glisser en dessous. Ah, peut-être sauter avec la poignée. Voilà. Non, presque. Ok, d'accord. Regarde. Non, en poussant peut-être. Si j'essaie de tirer de l'autre côté. Je veux bien essayer de tirer de l'autre côté, le problème c'est que je ne peux pas là. Je peux pas tirer la porte en fait. Il n'y a pas d'appui. Mais en revanche... Est-ce que je peux pousser et produire un effet retour? Ah mais oui, mais... L'effet miroir. L'effet miroir, mais bien sûr. Incroyable. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Des équipes créatives, t'as envie d'en faire partie, t'as envie de comprendre la réflexion, t'as envie de comprendre le cheminement créatif, t'as envie de savoir comment et à quel moment, t'as envie de connaître les références, t'as envie de chercher du making of, quoi, t'as envie de chercher de l'eau aussi un peu pour essayer de faire en sorte que tu... Hein?
Ah, mais totalement. Mais qui veut 4 heures, mais je me bouffe, quoi. Pas d'eau. Ok. Pas de support. Est-ce que tu as confiance en moi ? Je vais t'offrir un monde. Little sorcière. Merci Ronald. Ok. Ça c'est bon. C'est un amas de chair là. Ok. Peut-être solution. Allez, merci beaucoup. Merci Maillard de me permettre de voir des lives. Bonjour. Omodo. Clan Maillard, c'est très gentil. C'est très très gentil. Oh mmh. Ok. Ok, je veux pousser ce truc. Des petits bras, mais... Bah, t'imagines le nombre d'heures de travail de réflexion pour chaque espace, te donne l'impression que... qu'il n'y a aucune répétition. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune répétition. Oh. Ça respire fort. J'ai chant, Hippolyte. Casser la boîte à musique. Non. Je suis désolé, Hippolyte. C'est pour le game design. Désolé, Hippolyte. Oh. Ah.
ça pique sur l'arcade sourcilière. Ok. Pardon, Hippolyte! Je suis désolé! Je rachèterai un iPhone! Y'a pas de l'eau. Pas d'eau, pas d'eau. Avec le petit bruit de solitude. Qu'on va continuer d'explorer ici. Oh, il faut une hache peut-être. Est-ce qu'on a une hache là ou un martinet? Pardon. Arto. Non? Ok. Ah, c'est beau! Hippolyte. Manvelette. Ah, il y en a une juste là-haut en fait. La 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 la. C'est pas comme ça que je fais les checks, perso, mais je crois qu'on s'est loupé. De pas beaucoup. Je... C'est pas comme ça non plus. Je pense qu'on part du mauvais point de départ. Mais on va trouver, tu sais quoi, hein? Non. Partant du principe qu'on s'est mal compris, hein. Je... D'accord. Ah, ok. Peut-être j'ai la Shifumi différemment. Ok, est-ce que peut-être que je peux monter là? Non. Ok, on va faire un truc. Non, et tu vois, non, non, non. On dirait Pepeo. Thank you.
On y est presque. Il y a pas grand chose. À moins que je garde la hache en y allant, peut-être. Pas poteau entrant, hein. 1, 2. Désolé. Je suis désolé, Hippolyte. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Te tenir la main, c'était tout pour moi. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. J'espère que je te retrouverai. Oh Dieu. En fait, au niveau de la séquence, il va au bout en fait. Il n'y a pas un moment pour partir vers la porte. Oh non. Hippolyte. Je suis tellement désolé par ce qu'ils nous ont fait. Je peux pas le faire en une fois, je peux pas. Je peux pas le faire en une fois. Je suis obligé de ramener une fois la hache. Alors, il faut que j'amène l'âge vers le haut du coup. Et quand j'arrive vers le haut, je prends la hache, je crie ici, je prends la hache. Ouais.
Hippolyte, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il t'en fait ? Donne-moi la main. Non, non. Non, non, donne-moi la main dans l'autre... Mais dans l'autre sens! Dans l'autre sens! Traître! Judas! Je t'ai pas libéré cet enfer pour que tu m'abandonnes! Ouh! Allez, pour elle. Je te jure, Hippolyte! Si on s'en sort! Je te... Et ce jour-là! Hippolyte! Oh non, 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 non! Hippolyte! Hippolyte. Je te jure que si on s'en sort... Ah mais... Tu as un problème de... Ok. Hippolyte ! Kaneda ! Tetsuo ! Oh ok, oh non, très bien. Intéressant de changer de niveau, changer au premier plan. Miloko, je suis pas ta mère. Ah, ok, allez go. Allez. Non mais oh puis après. Oh là là, incroyable. Il fallait avoir la... Fallait avoir la ref, c'est un hommage au Québec. Allez. Oh. Demandez au modérateur. Là c'est bon. Là, non, là c'est... Non, il fallait que j'attende un peu. C'est quand c'est super récurrent. Et pape, là, contrairement à... Ouais. Ça, c'est pas un hommage au Québec. C'est récurrent. Oh. Faut descendre. Regarde, les gars. Faut changer de plateforme. Et faut attendre un peu. Là, là, allez. Get around, get around. Get around. Ouh. Ok, très bien. Presque. Ok. 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 Là c'est bon, allez. Surfing USA. Oh. Voilà, voilà, voilà. Là on est large. Là on est là. Ah ok. Oh, elle m'a body. Tu m'as body. Ok. Oh non. Hippolyte! Hippolyte! Traître! Hippolyte! Donne-moi la main, Hippolyte! S'il te plaît, Hippolyte.
m'abandonne pas. J'espère qu'il y a de l'eau. Docteur Jones. C'est pas des biscuits secs, Dr. Jones. Hey. T'es mis l'une. Oh. Hippolyte. Oh. Oh. Mon Dieu. Anak son amour. Je jure. Hippolyte. Que je reviendrai. Et ce jour-là, sache-le, tu n'auras nul endroit où te cacher.
Exprimez-vous. Incroyable. C'est exactement ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est ça nous rend humble en fait en tant que créatif, c'est juste ça nous rend terriblement humble quand on est un peu créatif et qu'on met du sens dans ce qu'on réalise, dans ce qu'on fait, et quand on voit ça, on se dit qu'on a à la fois beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire, et en même temps ça nous donne aussi envie de nous dépasser. C'est une vraie expérience. J'avais pas ressenti ça depuis Inside, en fait. Sachant que Little Nightmares 1, je l'avais trouvé déjà incroyable, avec une fin qui m'a un peu retourné, mais j'ai placé la sensation plutôt dans Inside, un cran au-dessus. Même si la fin, elle était prenante, là, le dosage du 2, il est très puissant, quoi. Très très puissant. C'est ça, c'est même plus un jeu, c'est vraiment une expérience à vivre. Il y a qu'une seule fin, absolument, il y a qu'une seule fin. Ouais, l'expérience est incroyable, absolument. Tout flagada. L'expérience, elle est... efficacité absolument dans l'audio, dans le gameplay. Il n'y a pas une ligne de dialogue, il n'y a pas une seule ligne de texte, il n'y a pas une seule ligne de texte, à part évidemment de gameplay, de dire pousser, mettez à droite ou à gauche de temps en temps, mais il n'y a pas C'est un truc souvent sous-estimé, le son. Totalement d'accord. C'est aussi pour ça que je suis très sensible à la mise en place de la spécialisation. Hein. Oui, du texte dans le tuto. Et aussi du texte dans le piège à ours. Hein. Non, je ne sais même pas décrire mon état. Tu peux le faire avec des couleurs de l'arc-en-ciel toujours. Hein. La musique, le décor, la boucle qui se referme, le sentiment que ça génère, Tu sais les horreurs qu'a fait Six dans Little Nightmares 1. Dans le 2, tu passes par un ascenseur émotionnel, tu reboucles. Tu sais que si dans le 3 il arrive, s'il y a un 3 qui se fait, et s'il réapparaît, tu vas le détester. Tu sais pas si, selon la manière dont ça va être mis en scène, tu sais pas si dans la manière où ça va être mis en scène, si tu vas vouloir le sauver quelque part. C'est que c'est continuer de tuer tout le monde, absolument. Mais on a kiffé quand on a brûlé le cochon quand même. Ouais, une sorte de relation. Et rappelez-vous tous ces moments où j'ai aimé lui tenir la main. En disant, viens, on est ensemble contre le monde, quoi. La rancune, c'est mal. Alors, soyons clairs. Je ne suis pas rancunier. Peut-être juste que j'ai bonne mémoire. Mais je ne suis pas rancunier. Pas le moins du monde. Pas à un seul moment. Je le suis.